Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un autre petit vlog Study With Me. Vous avez l'air de beaucoup apprécier ce genre de vidéos et c'est vrai que j'aime beaucoup les faire, donc je me suis dit que j'allais en faire un petit peu plus. Cependant vous avez été aussi nombreux à me demander de faire plus de vidéos bullet journal et du coup par rapport à ça je voulais un petit peu vous informer que pour le moment c'était un petit peu compliqué pour moi de faire ce genre de vidéos parce qu'il faut savoir que les vidéos bullet journal demandent énormément de temps de préparation, donc avant de filmer et puis aussi pendant qu'on filme, voilà, faire le bullet journal ça prend énormément de temps et c'est vrai qu'avec les études en ce moment j'arrive pas encore à consacrer ce temps là à mon bullet journal, à part pour les vidéos plan with me que vous voyez chaque mois, mais c'est vrai que faire des vidéos bonus sur le bullet journal ces temps-ci c'est un petit peu compliqué, mais bon je vais essayer d'améliorer ça dans les prochaines semaines et je vais essayer de vous préparer des vidéos bullet journal parce que j'aime toujours autant ça et je comprends que ça vous manque un petit peu en ce moment sur ma chaîne. Enfin voilà, c'est un petit peu les informations que je voulais partager avec vous. Du coup aujourd'hui nous sommes le mardi 10 novembre et il est 14h. Je viens à peine de rentrer chez moi étant donné que ce matin j'étais en stage dans ma classe. Voilà, j'ai enseigné toute la matinée avec ma co-stagiaire et c'était vraiment chouette. Et du coup cet après-midi j'ai pas mal de petites choses à faire. Je dois tout d'abord planifier mon cours pour la semaine prochaine et j'aimerais aussi faire mon cours de français. Et puis ensuite soit je fais un autre cours, soit j'avance dans un de mes dossiers que je dois rendre très prochainement. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de petits trucs à faire cet après-midi et je me suis dit bah pourquoi pas vous emmener avec moi en espérant que cette vidéo vous motivera comme d'habitude. Et puis sur ça, c'est parti, je vais commencer par faire mon cours de français, voilà, et ensuite je pense faire ma planification pour mon cours de la semaine prochaine. What's there to say? There's nothing but space in between you and I. It's okay that we change, but it feels kind of strange that you're not in my life. You're the only one that saves me when I'm alone. You're the only love that I've ever known. But we turn into a flower that never grows. I was hiding like the moonlight that never shows. I should have told you that I loved you one more time. One more time. One more time. I should have told you that I loved you one more time. One more time, one more time. I should have told you that I loved you every night. Oh, that's on my mind. I should have told you that I loved you one more time. One more time. Ça y est, j'ai terminé mon cours de français. Il est 3h30 et je vais enchaîner avec ma planification pour le cours de la semaine prochaine. Donc je dois planifier ma leçon de maths, voilà, afin que je sache exactement qu'est-ce que je vais faire. Donc ça devrait pas me prendre trop de temps, il faut juste que je trouve une idée de jeu à faire en début de leçon. Sinon le reste est assez vite fait. Étant donné qu'on va principalement faire une fiche et avancer dans le plan de maths des élèves, voilà, j'ai pas trop de choses à préparer à part trouver cette activité. Donc j'espère trouver quelque chose et je vais faire cette planification comme ça. Je pourrai l'envoyer directement à ma prof pour qu'elle valide. Would you have stayed if I had been honest with you from the start? Don't say it's okay if I'm falling and you're running away. You're the only one that saves me when I'm alone. You're the only love that I've ever known. We turn into a flower that never grows. I was hiding like the moonlight that never shone. I should have told you that I loved you one more time. One more time. Donc il est 4h30 et j'ai presque terminé de planifier ma leçon pour la semaine prochaine. Il me reste juste à trouver une idée de jeu à faire en début de leçon. Mais honnêtement, j'ai absolument plus la motivation de réfléchir à ça maintenant. Du coup, je reprendrai ça demain. Et j'ai aussi profité de ce petit moment pour rechercher des textes
sur le thème de Noël. Voilà, des lectures à faire avec la classe sur le thème de Noël. Et franchement, je suis plutôt contente. Je pense avoir trouvé quelques textes sympas. Donc, on va voir lequel je choisis. Mais du coup, c'est déjà une bonne chose de faite. Et donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre une petite pause avant d'attaquer le dernier cours de ma journée. Voilà, comme ça, une fois que ce dernier cours est fait, j'aurai terminé tous mes cours pour la semaine. Je me suis vraiment bien avancée cette semaine par rapport à mes cours. Du coup, il me restera plus que mes séminaires. Mais au moins, ça me dégage du temps sur cette fin de semaine pour pouvoir m'avancer dans divers dossiers que je dois rendre, etc. Donc, c'est pas plus mal. Mais du coup, là, je vais aller prendre ma petite pause. Et puis, bah, je vous retrouve après pour mon dernier cours. Bon, et bien ça y est, il est 5h30 et je viens de terminer mon cours, donc c'est une fin de journée pour moi. J'essaie toujours d'arrêter de travailler entre 5h et 6h, donc là je vais prendre la soirée pour moi. Mais du coup, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura motivé. Dites-moi le format que vous préférez, si vous préférez des formats sur une demi-journée, sur une journée ou encore sur une semaine. C'est vrai que j'ai pas encore fait de vlog sur une semaine, mais je sais que pas mal de gens aiment bien ça, donc dites-moi en commentaire quel est votre format préféré. Et sur ce, n'oubliez pas non plus de mettre un j'aime à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la petite cloche, ça vous permettra d'être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye! You give your love to, you'll end up leaving you with someone.